have the kind of setup that allows us to examine. On va vous couper. Priorité au direct. Nous avons l'arrivée du technicien Belge qui est dans les coulisses du stade Omnisport de Yaoundé. Marc Brice qui est accompagné bien sûr de tout son staff. Priorité au direct. Nous sommes dans le stade Omnisport. Gideon Tazor. Afin de sécuriser les intérêts vitaux de l'État, le Rio de Janeiro, cette barge hôtel a été mise à disposition du Big Delta. Cette barge comprend un détachement qui mène des patrouilles quotidiennes afin de sécuriser les nombreux centres pétroliers du Golfe de Guinée. Accueilli par le team presse et par le coordinateur Benjamin Barlow. Exactly. And so, Cameroon will watch Marc Prince deliver to you on Bill Kyo his first team as he takes over Cameroon, as he takes over a national football team. And this time, he will come to Madagascar and Cameroon. Alioune Boukari, bien sûr, là, tout comme son assistant. Le Belge Imunga, ils sont tous présents. Danny Nouke, le team manager, est également présent. Of course, so this is coach. Deux hélicoptères ont aussi été acquis pour accroître la capacité de projection rapide de cette unité. À la salle de conférence du stade Omnisport Amadou Aïdjo, Raphaël Kwa, Gideon Tazo, on annonce déjà que l'entraîneur Marc Brice est dans les environs. Il est déjà arrivé ici au stade et vous allez voir le déploiement qui s'effectue dans cette salle de conférence avec l'entrée des journalistes de la presse et de tous les médias, les hommes des médias qui ont effectué le déplacement. Mais pour mener à bien sa mission, le BIC travaille en bonne intelligence avec les autres corps de sécurité plus compétents en matière de police judiciaire. Ce qui veut dire que dans quelques instants seulement, l'entraîneur fera son entrée dans cette salle de temps pour tous ces journalistes et hommes des médias de s'installer et de. Le BIC ne se contente pas de remplir ses missions régaliennes. Il essaie de s'impliquer dans l'amélioration des conditions de vie des populations qu'il côtoie. Ici à Jabané 2, non loin du poste de commandement du Big Delta, un incendie a ravagé il y a trois mois presque tout un hameau. 114 maisons de meilleurs standing ont été reconstruites grâce à une dotation du chef des armées pour recaser les populations sinistrées. Des populations exclusivement nigérianes et déjà bénéficiaires des soins médicaux gratuits et de l'accès à l'eau potable. Press briefing, and we've seen that the first assistant coach, that's Omar Big, there's also the second assistant coach, Bisong Ashu. They're all here just waiting for the head coach, Marc Brice, to make his way to this press center of Amadou Stadium here in Yaoundé. So we're less than 12 minutes to the start of this press briefing where Marc Brice, the head coach, will release. Ces populations sont aujourd'hui reconnaissantes des bienfaits de la présence du BIR à Bakassi. Les militaires nous aident beaucoup ici. Ils nous donnent de l'eau potable et nous soignent. Comme nous n'avons pas d'hôpital, ils nous amènent dans leur infirmerie. En tout cas, nous bénéficions de beaucoup d'attention de leur part. Toutes choses ayant contribué à harmoniser les relations entre cette communauté et les soldats. La collaboration est cordiale entre les Nigériens et Camerounais vivant à Idanato. Ils sont solidaires et agissent dans leur intérêt respectif. La présence du BIR est d'abord sécuritaire et vous voyez que la localité est en paix. Ils apportent soins médicaux et eau potable aux populations. We're all looking forward to seeing what Marc Brice is going to unveil. Alimbe, la route reliant la cité balnéaire à Manowok Bay reste à ce jour la plus grosse signature de la présence du BIR dans cette localité. Cinq minutes, c'est le temps qu'il faut désormais pour parcourir les 5 km qui séparent la base logistique au centre-ville. Avant, il fallait à certains moments environ 2 heures pour parcourir la même distance
sur une piste à peine praticable. Pour l'instant, peut-être n'a pas encore pris la décision. En plus de la route, le COP Vic de Van Robbe s'est vu gratifié d'un bloc de deux salles de classe. De Marc Brice, on annonce également des joueurs locaux et Daniel Ekonde a cité quelques-uns. Jules Armanco, meilleur buteur du championnat avec 22 buts, qui évolue dans les Astres de Douala. On a parlé de Jean Bosco Tindo. En attendant de recevoir prochainement l'ambulance promise et déjà disponible, l'hôpital régional de Limbé a bénéficié de la part du bire d'un relifting qui a donné à cet hôpital sexagénaire un véritable coup de jeûne. On ne va pas se le cacher. C'est une opération qui a rempli de bonheur et le patron de l'institution et les usagers. Les journalistes espèrent le voir venir. C'est la première fois que je reviens ici dans cet hôpital depuis qu'il y a eu des changements. Avant, il n'y avait même pas d'endroit où s'asseoir convenablement, encore moins déposer son enfant. Je suis très heureuse des changements opérés ici et nous prions Dieu pour qu'il soutiennent ceux qui ont fait ça. Ce qui intéresse, c'est les hommes des médias venus en masse ici. C'est beaucoup je remercie beaucoup cette liste et je leur demande ces joueurs de suivre qui vont prendre part aux deux sorties des Lions. D'abord contre le Cap-Vert et puis contre l'Angola. On rappelle que le Cameroun a 4 points au même titre que le Cap-Vert et la Libye. Il faudra donc bien négocier les deux rencontres pour prendre la distance avec ces poursuivants immédiatement. Eric Maxime Chukwumuti, who was in the Indomitable Lions in the Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire at the beginning of this year. There is also Michael Ngandé-Gadoui, who won the 2017 Africa Cup of Nations with Cameroon. He hasn't played with the Lions for a long period of time, but we're in his tour in a Euro. Marc Reis met him. We also have Jean Onana of Olympique de Marseille. They were involved in the Force de l'Ixet, chargé d'émission précise. Les bâtons d'intervention rapide revendique également le rôle des vecteurs de développement au service des populations et de la nation. Nine minutes as we are just seeing how things have been set up there. More staff, like I mentioned. There's also Danny Nunke, who's a team manager of the Indomitable Lions. I believe he's also an ex-player. So it's a huge team here, Rafael and Tazo. Or Gideon, we are looking forward to that particular moment, Lara Selmata. Voilà, le décor est définitivement planté ici. Les hommes des médias ont pris place dans la salle. Le staff technique est quasiment au complet. Il ne reste plus que Marc Brice pour démarrer cette conférence de presse qui aura lieu exactement à partir de 15h, dont un peu moins de 8 minutes dans cette salle. Marc Brice va donner sa première conférence de presse. Marc Brice nommé, on le rappelle, le 2 avril et qui fera donc sa première sortie tout à l'heure dans quelques instants seulement dans cette salle de conférence. Suivra ensuite la publication des 26 joueurs qui sont retenus pour prendre part. Christians of the Saint Media Trees Parish of today have celebrated the Ascension Day, the day Jesus Christ ascended into heaven, body and soul. The celebration was characterized by prayers and worship songs for a moment worth celebrating. Ascension Day is commemorated 40 days after Easter, the day Jesus is believed to have resurrected. Presbyterian faithful of Presbyterian Church Bastos, PCC, have been reminded to always put their worries at the disposal of their Creator. The reminder came from one of the pillars of the PCC Bastos congregation, Reverend Polycarp Jokai, who also called on the Christians to be happy as Christ has risen with their problems. Just to remind you that the winner of Group D will qualify directly for the competition, and you have many teams.
The Ministry of Communication and its partners are at the offensive to preserve the country's social values, which is wrongly represented by some nationals, especially on the social media. This is via hate language, which gradually jeopardizes Cameroon's identity. This follows a recent forum that brought together heads of the central, devolved, and external services of the Ministry of Communication on how to protect the country's social values in the face of digital communication. D'un tel plutôt qu'un tel autre, et selon nos discrétions, selon certaines indiscrétions, c'est une liste qui regroupe à la fois des joueurs expérimentés, des jeunes joueurs. Il y a des joueurs de 18 ans qui vont faire peut-être leur première sélection avec les Lions Indomptables. Donc c'est un mélange de joueurs qui pourront peut-être donner du sourire aux Camerounais. Après, vous l'avez évoqué, Daniel et Kondé, après l'élimination en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, on attend de voir une autre équipe, une équipe conquérante des Lions Indomptables, une équipe volontaire, une équipe, et on ne veut plus manquer cette Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Canada, Mexique, États-Unis. Et donc, c'est beaucoup d'espoir qu'on fonde sur Marc Brice. On compte sur lui, les journalistes, mais certains confrères, lui, pour redonner vie à cette équipe de Lions Indomptables. Tous les jours, retrouvez sur CRTV News, 24 heures sur 24, l'actualité en continu. Reportages, interviews, analyses, décryptages. Nos reporters et nos correspondants vous emmènent là où l'actualité nous appelle. CRTV News, nothing but the news. In 2023, so can he make it to the senior national team? Then a lot of players coming from Eintracht Frankfurt, the Bundesliga Monsieur, chers confrères, bienvenue dans cette salle de conférence du stade Omnisport Amadou Ahidjo pour un point avec les médias du Cameroun. La nature de l'exercice, c'est effectivement un point de presse et non une conférence de presse. Cela signifie clairement que le discours ou la communication est unilatérale. Elle est axée sur la publication de la liste des plus sélectionnés des Thank you.
Bonjour à tous. Je suis ici pour parler de la présélection de notre pays pour la qualification de Coupe du Monde 26. Alors, c'est possible. Je pense que c'est intéressant de suivre un peu le parcours de nous. Et on était ensemble avec notre staff technique. On a mis beaucoup de temps pour prendre des bonnes décisions. Ce n'était pas évident. Alors, il y a quelques paramètres qui étaient très importants. On a commencé de parler avec le joueur. Hein. Comme tu sais, je suis nouveau aussi avec mon assistant, Yahya Monunga. Alors, on a essayé de prendre de connaissances avec nos joueurs. C'était par Zoom, hein, meeting, ou c'était en spot. Hein. On fait un tour en Europe, plusieurs pays. On a vu beaucoup de joueurs avec cette manière, en spot, live. C'était très, très intéressant. On a eu aussi la chance de parler avec eux. Et à ce moment, ça va commencer de travailler dans notre tête quel est l'objectif, à quelle manière on doit réaliser ça et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, on a pris le premier pas de voir les joueurs, de parler avec les joueurs. C'était très positif de notre côté, mais aussi des côtés des joueurs. Et de plus en plus, on va chercher surtout, ça c'est important, pas uniquement le talent, eux-mêmes, mais surtout aussi leur talent homogène. Hein, ça veut dire collectif. Est-ce qu'il y a un certain joueur, un joueur X, est-ce qu'il est capable de jouer dans une équipe, dans cette composition, avec ses joueurs devant, derrière lui. Et ça prend du temps. Ce n'est pas évident, ça prend du temps. Et on a pris aussi du temps pour ça. On était avec notre staff complète, c'est 6-7 hommes. On était. j'ai fermé la porte à 8 heures du matin et j'ai ouvert la porte, c'était 18 heures du soir. Alors, on a fait notre boulot, je pense. Et les choses qui sont importantes de tout ça, c'est. Les paramètres, c'est les qualités, comme j'ai dit, individuelles, mais aussi homogènes. Hein, c'est très important que quelqu'un est ouvert de changer un peu son attitude pour les résultats. Hein, les résultats, ça reste surtout dans notre profession le plus important. D'abord, tu dois être au courant quelle est la situation conditionnellement, physiquement. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il était blessé? Il joue assez de minutes avec cette équipe et tout ça. C'est important de voir. Hein. Par exemple, je donne des exemples, il y a des autres, mais pour la condition de quelques joueurs n'était pas assez pour prendre eux maintenant dans la présélection. Hein. Je pense à Jean Anana, on a vu lui jouer live. Il a même marqué le but, mais il n'est pas prêt et il est fragile pour être retombé dans des blessures. Magri, il joue pas trop avec cette équipe. Chacho aussi. Il y a des quelques joueurs qui n'ont pas assez de temps du jeu. Alors, c'est les qualités, mais il y a aussi un partie de notre sélection, c'est des générations. Hein. Tout le monde sait, il y a toujours dans un pays, dans un club, des générations. Cette génération, ça décide le niveau que l'équipe va être élevée ou descend. Et quand vous avez une génération, le plus danger ou le plus grand danger est quand est cette génération termine, à quel moment
l'auteur, le top de leur performance. Et là, à quel moment tu dois changer cette génération? C'est quelque chose de délicat. C'est quelque chose de très important. Et pour éviter qu'on a trop de confiance de cette génération. C'est pour ça qu'on doit y injecter des jeunes talentueux, promissés, pour commencer de prendre petit à petit. Et ce n'est pas en deux jours, ce n'est pas en deux matchs, ce n'est pas en un an, mais petit à petit, il va reprendre la position de joueurs qui étaient toujours dans leur génération décisif. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a choisi, par exemple, dans l'exemple, et les gardiens à Lyon, et les joueurs défensifs et milieux, l'average âge est 25 ans. Les attaquants, il y a 27 ans. Ça veut dire, pour beaucoup de joueurs, ils sont vraiment en top de leur performance. Hein. C'est vraiment les âges entre 24, 25 et 28. C'est vraiment idéal. Alors, la plupart de joueurs qui sont sélectionnés, ils sont dedans. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions par leur talent est aussi exceptionnel. C'est pour ça que ce n'est pas toujours noir ou blanc. C'est tout, parfois aussi, tu dois choisir entre les qualités aussi. Ça, c'est deux. Il y a aussi un autre paramètre. Et de l'âge, par exemple. Hein. J'avais dit 25, 27, c'est idéal. Hein. On était fort occupé de prendre des jeunes comme ça. Il y a aussi la concurrence qui est capable de concurrer. Si on met une sélection, et par exemple François, il a l'habitude, qui est concurrentiel avec lui, qui a les mêmes qualités ou peut-être mieux de qualité que lui-même. C'est toujours le challenge de pousser lui qui joue, mais aussi le deuxième qui ne joue pas peut-être, de provoquer lui de faire mieux ou même mieux. Et le troisième paramètre, je vais voir, ce sont les joueurs qui sont plus jeunes, pas connus, qui jouent dans un championnat pas sexy, un peu oublié, perdu. Il n'y a pas trop de gens qui connaissent eux. On a fait chercher des joueurs comme ça, qui ont le talent, mais qui ont mal connu par la plupart des gens. Alors on a donné aussi eux des chances dans cette présélection pour prouver de quel niveau ils peuvent améliorer. Et la dernière chose, à côté de tous les paramètres, parce que c'est clair, c'est toujours plus facile pour un entraîneur d'aller quelque chose dans les mains, mais la plupart, ça va venir du joueur, bien sûr. Hein. C'est à eux, le challenge était complètement à eux, et on va, avec le staff technique, on va aider eux, mais surtout leur manière qui rentre, qui va rentrer chez nous, c'est très important. Si j'ai le sentiment que ce n'est pas avec leur cœur, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de l'envie, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de combativité, il va partir. On a sélectionné assez de joueurs pour le faire. C'est ça que c'est pour soi, on est si dur avec ça, parce que c'est crucial. Hein. Encore une fois, cette chose, cette caractéristique, ça doit être implémenté de groupes eux-mêmes. Bien sûr, il y a des staffs techniques pour corriger, mais c'est toujours pour eux, pas pour nous. Hein? Eux, ils jouent pour la pays, pas moi. Je suis ici pour aider. C'est eux qui doivent performer. Hein? Et pour eux, le mindset doit être correct. Et je n'ai pas peur parce que, comme j'ai dit, on a parlé avec beaucoup de joueurs et j'étais de manière très étonnée qu'ils parlent
toujours de nous. Nous, il n'y a aucun joueur. Et je dois regarder à mon assistant, environ 70% des joueurs. On a parlé, on a vu, et il n'y a aucun qui a parlé. Moi ça. Non, tous les 70% qu'on a parlé, ils parlent toujours de nous. Nous, on va faire ça. Il y a des raisons, hein, parce qu'ils toujours ils cherchent des raisons. On n'a pas réussi, mais non, on va réussir parce qu'on va ajouter ça. Et qu'est-ce qu'il va y ajouter? Quelque chose caractériel, l'émotion, la participation, de faire plus pour celui qui est devant ou derrière ou à côté de toi. Surtout ça, c'est très important pour une équipe qui a, et on doit être honnête, c'est pas nécessaire de se cacher, mais nous sommes motivés, on a des ambitions. Nous ne sommes pas ici pour faire n'importe quoi. Alors, eux aussi, et je sentir ça déjà, on va mettre le feu, bien sûr, aussi les derniers jours. Malheureusement, et c'est un peu dommage, deux jours avant le premier match, on va voir les joueurs en terrain. Et c'est pas beaucoup, bien sûr, hein, mais j'ai des assistants avec des connaissances et aussi ils connaissent leur métier. Alors ça va y arriver, c'est pas une excuse pour nous, hein. Après deux jours d'entraînement, on va y être aussi, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup prêt pour gagner ou performer ces deux matchs. Aussi quelque chose, c'est pas à moi d'éviter le sujet. J'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de fédération, parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. C'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider, et c'est déjà arrivé, je vois vous, Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères. On a parlé même de foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance et ça c'est beaucoup aidé, le choix, mais aussi la manière de travailler. Mais c'est le même de l'autre côté, parce que c'est péjoratif, mais surtout aussi avec le président ou avec les gens de FECAFOOT. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, on va jouer notre match pour le peuple de Cameroun. Hein? Pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple. Voilà, ça c'est un peu très bref les choses que je voudrais dire. Merci. Chers confrères, mesdames et messieurs, le moment M est donc arrivé. Je vous donne en exclusivité la liste des 30 présélectionnés de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice. Gardien de but, Simon Omosola. André Onana. Simon Ngapandwenbu. Défenseur, Malcolm Bokele, Jean-Charles Castelletto, Ivan Dibango, James Eto'o, Guy Kilama, Harold Mokoudi, Michael Ngade, Jackson Tchatchoua, Nou Tolo, Christopher Wu, Fay Collins, milieu de terrain, André-Franc Zambouanguissa, Carlos Balepa, Eric Maxime Choupo-Moting, Raoul Danzabe, yes. Martin Onla,
John Bosco Tindo, Pierre Koundé Malon, Yvan Neuyou, Olivier Ntcham, attaquant, Aboubakar Vincent, Christian Bassogok, Jules Armand Co, Didier Lamkelze, Brian Mbemo, Faris Mumbanya, Nicolas Ngamale, et enfin Georges Kevin Koudou, signé Marc Brisk, entraîneur sélectionneur des Lions de Nantes. Exceptionnellement, l'entraîneur sélectionneur qui s'est largement exprimé sur ses choix, a tout de même accepté prendre deux questions pour la fin. Guy Roger Obama. Bien, moi c'est Guy Roger Obama, journaliste des sports à Magic FM. Enchanté. Alors, oui, coach, tout à l'heure je vous ai entendu parler de prononcer le nom du président de la FECAFOOT. Alors je voulais que vous soyez un peu plus clair. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président de la FECAFOOT ou bien c'est dans un avenir proche, surtout que le match est annoncé et la FECAFOOT risque de vous bloquer sur beaucoup de choses. Voilà ma préoccupation. Ça va être pour l'avenir. Je n'ai pas vu lui ou parlé avec lui. Alors, ça va être pour l'avenir, j'espère et je souhaite. J'ai pas suivi. Comme Fourari, j'ai pas suivi. Comment ? J'ai pas suivi. Tu dois me répéter ? Oui. Tu n'aimes pas ça, hein ? Faites attention. Je suis numéro 2. Non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu le président de FECAFOOT, malheureusement. Et j'espère et je souhaite que dans l'avenir, on ait un discours agréable et constructif. Et tout pour le bénéfice du peuple de Cameroun. Et je suis disponible pour ça. Oui. Une question en anglais. Thank you, coach. Finally. Daniel Ekonde, journalist with CLTV Sports and Entertainment. So I'm seeing on your list, you've got two players from the local league, Tindo John Bosco, Jules Armand Co of Les Astres Football Club of Douala. How much time did you take to make this choice? A couple of days ago, you had a meeting with Tindo John Bosco. Does it really raise the level of Cameroonian football, you selecting two players from the local league? I think you have to make your choices as spacious as possible. And we did that. We also found two guys who are not in the picture, like Eto, no family of the president. It's just a remark. And number 10, what we don't really have too much in our team. So both promising players, so it was nice to pick them up. Also, like I said, not in a really big team, so a little bit lost and forgotten with a lot of people. So we took them now, and for the four players, we have a time now, 2 days, to see how they integrate, how they implement it in the group. Are they accepted also? It's always coming from two sides, so we will see. It's my choice because I think they're really talented, all four of them, and I hope that they bring and add something to this team. And what I would like that they add is a lot of movement. And I saw all four of them, and they have this quality.
So that's where I'm looking for this kind of qualities. Merci. Une dernière question. Oui, Hugo Boussoukane du site Damba Web. Alors, un coach, est-ce que par rapport aux joueurs que vous avez sélectionnés, est-ce que c'est vrai qu'on vous a vu, on a vu les images de vous avec les joueurs, vous avez pris, fait des concertations avec les joueurs. Mais maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que vous avez bien et bien expliqué aux joueurs votre philosophie de jeu et qu'est-ce que vous attendez d'eux sur le plan technico-tactique de ces joueurs? Merci. Je pense qu'ils ont bien compris la manière que je voudrais jouer, mais pas en détail, bien sûr. C'est quelque chose que tu dois prendre votre temps. Premièrement, collectivement, et après, tu dois rentrer individuel de cet joueur, de rentrer dans ses propres choix, en défensif, offensivement, dans la reconversion. Et ce sont des choses dont tu as besoin des images. Et quand tu veux parler avec un joueur, tu n'as pas vraiment les images devant toi. Mais c'est toujours un peu plus tard, malheureusement. Deux jours, ça va être fort occupé avec ça. Mais ils ont encore les choses que je voudrais ou que j'aimais bien. Merci. Merci, merci chers confrères. Merci, monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Merci, chers confrères. C'est la fin de cet exercice, ce point de presse consacré à la publication des prédictions des prochains matchs des Lions Indomptables. À plus. Merci. Merci. Cabo Verde as well as Angola, and we've got many new players coming in. We've got Ivan Dibango, there is Chundo John Bosco, as well as Ju Amang Ako. Those are the players I can remark. But Larai Salamatu, looking at the players who are coming back, Ivan Neyu, Michael Ngadegadu, he won the 2017 Africa Cup of Nations with Cameroon. There's also Martin Honga. He was in Cote d'Ivoire during the 2023 edition of the AFCON. Akunde Malong was also in Cote d'Ivoire. There's also Christian Basogok, who was the MVP in 2017. But he is returning. There's also Fai Collins, much talked about Fai Collins, Larai Salamatu. Oui, on remarque beaucoup de retours dans cette liste des présélectionnés de Marc Brice. Le retour fort de cette liste, c'est celui de Michael Gadjoui, vainqueur de la Coupe d'Afrique avec les Lions en 2017 et qui n'avait pas été appelé depuis fort longtemps après le match contre le Burundi. Il n'avait plus été appelé, c'était les éliminatoires de la CAN 2023. Il y a également le retour de Fai Collins qui revient dans cette sélection. Et puis, il y a également le retour de Christian Basogog. Vous savez qu'après la Chine, il évolue maintenant en Turquie où il est titulaire. C'est donc de bonne guerre qu'il soit sur cette liste. Parmi les retours, mais les plus récents, on a par exemple le retour d'Eric Choupo qui a manqué la CAN. Il y a le retour de Martin Honla qui a manqué la CAN. De Koundé Malong qui a également manqué la CAN. Ivan Neyu également qui a manquer la CAN, mais le fait majeur de cette liste, c'est la présence de ces deux joueurs locaux, Jules Amanko des Astres de Douala et de Jean Bosco Chindo de Young Sport Academy. Les deux joueurs locaux figurent dans cette liste des présélectionnés. On note également l'arrivée des nouveaux comme les défenseurs Ivan Dibango, James Eto ou encore. Voilà, la liste des 30, c'est une première surprise. On parlait de 26 joueurs, 30 joueurs finalement présélectionnés par le technicien belge Marc Brice, avec quelques belles surprises, Langringuemou. Oui, effectivement, il y a de belles surprises, mais de toute façon, il avait planté le décor pendant son propos préliminaire, où il avait justement écarté quelques joueurs qui étaient à court de forme, qui compétissent, des joueurs qui compétissent.
mais qui, bon, à son avis, était à court de forme, ce que je peux bien comprendre. Après une liste de 30 joueurs, mais ça se voit bien, la liste de 30 joueurs, il a rajouté, il a pris une liste assez large, justement, dans laquelle il a inclus des joueurs locaux. C'est pour se prémunir des blessures? Au-delà des blessures, c'est une forme d'apprentissage aussi. Je pense que c'est une belle opportunité pour les joueurs locaux de faire partie de cette liste. C'est d'apprendre déjà. C'est des, comme il a dit tout à l'heure, Eto'o, qui est numéro 10, il a dit que c'est un profil qu'on n'a pas. Et ça le permettra d'apprendre. Et on peut avoir de belles surprises. Et d'instaurer tout de suite cette concurrence saine. Bien évidemment, c'est une concurrence saine. Et je pense même que si, au regard de sa liste, on sent qu'il a vraiment besoin de concurrence. On sent qu'on a besoin de concurrence parce que le fait marquant, c'est l'âme qu'elles aient. Francis, c'est un groupe élargi. On était parti sur 20 Croix, puis 26. Là, c'est 30 joueurs. Est-ce que il ratisse l'âge? Ça traduit peut-être une indécision également dans le choix à certains postes, à certains joueurs. Il veut peut-être se rendre compte lors de ce stage qui va durer une dizaine de jours de l'état de forme des uns des autres. C'est vrai. Et il doit aussi s'accorder le temps aussi de faire la connaissance technique des joueurs aussi. I think if first impressions were a meal, he served up a banquet, because I think his analysis as to how he chose the players that he chose, giving himself the option to actually have a wider pool of players to work with, I think it demonstrates the kind of spirit some of us wanted to see, where coaches are given the freedom to bring in players together, take a look at them. I've been championing the idea of us having a summer camp with our national team for years, because I think sometimes to us, he said this himself, when they come together, they will have 2 days before their first game. And it will be hard work for him to be able to pick. It would be more the second game where you will begin to see the type of talent and style of play maybe that he wants to develop. But I think the wider group is good. The inclusion of some former players who had not been called up demonstrates a willingness, a single-mindedness from him to want to be able to choose himself what players he wants to work with. I'll try to look at the a little bit of the new coaches, the new coaches that I see here. For example, when I look at my little list here, I see a guy like Ivan Dibango. I see a guy like Gig Kilama. Yes. I see a guy like James, it's called James Ahmed Etuhinga. He plays in Bulgaria. Those are some names which I don't know. I mean, well, we know Lamke is there. He has been around and went out again. But at least those are the names. And then there's Raoul Dansabe. These are some of the new names. How much do you know of all these new guys? Et Guignon, peut-être avant de partir à Langui, on va partir en régie parce qu'immédiatement après, on a bossé au niveau de la rédaction de la CRTV Sport pour décrypter cette liste de l'ami Marc Brice et Wilfried Koto est avec nous déjà. Avec Wilfried Koto, c'est plutôt Wilfried Koto qui prend des vitesses, Nestor Kanga. Tous nos reporters sont mobilisés pour ce jour exceptionnel. Premier briefing et à chaud, les premières analyses avec Wilfried Koto qui est en régie. Avec Wilfried Koto, on va passer en revue les bleus de cette équipe et qu'ils sont nombreux. Et quelques belles surprises, Wilfried. Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon et bonsoir à vos invités sur le plateau. Le sélectionneur entraîneur des Lions Indomptables a ouvert les portes de la sélection Fagnon à 5 nouveaux, parmi lesquels 3